Tifosi de la Roma Internet, Boisser, j'espère que vous allez bien, Roma Locuta, le talk show 100% S Roma. Ouh là là, j'ai du retard, fouettez-moi, tapez-moi avec la règle à l'ancienne. Et les amis, alors il y a Dario, merci, Batigol, merci, Don Camillo, ciao ragazzi. Oui, désolé du retard les amis, j'étais en train de conduire, après il a fallu que... J'ai perdu le logiciel Skype sur l'ordinateur, j'étais en panique, mais ça va, finalement la dernière mise à jour, elle fonctionne. Je travaillais avec un Skype il y a un an. Mais ça fonctionne, tout fonctionne. Et pour m'accompagner ce soir, les amis, il est là. Il est là. Il est là. Plutôt là. Il est là. Elvin. Ça va, Elvin? Tranquille. Ben, ça va, ça. Merci à toi de l'invitation et bonjour à tous les Romains. Mais j'espère que tu conduis pas avec le téléphone au volant, ça, c'est pas bien. Non, pas de téléphone au volant. Mais et après, hop là, je me suis arrêté. Tac, tac, j'ai vu que tu m'envoyais des messages. Alors j'appelle quoi, nani, nanana. Et là, le temps que je monte les escaliers, tout ça, nanana. Voilà. Donc je suis en retard, les amis. Mais pas de téléphone au volant, c'est la prévention. Il a raison, Elvin. Cher Elvin. Merci d'avoir accepté déjà, hein, d'être disponible, d'avoir accepté d'être venir, ça c'est très gentil à toi. Les amis, je rappelle, Elvin, c'est un peu sur Twitter, surtout sur Twitter, hein, voilà. Après sur YouTube également, peut-être pas sur Facebook, tu es un peu plutôt discret sur Facebook, je pense pas de Facebook, mais c'est quand même une tête d'affiche en termes d'actualité sur la Juventus, hein, il faut le dire, Elvin. Je t'applaudis fort parce que tu fais un travail formidable, Elvin. Tu es connecté 100% Juventus à chaque fois, tu es... Par italien ou en plus. Mais c'est le seul truc que je maîtrise dans la vie et encore. Dans la vie, il y a eu deux choix. Il s'est dit c'est soit la Juve, soit les femmes. Mais il a pris la Juve. Donc voilà, et bon. Il fait. Alors, Elvin, bonsoir Lolo. Want a ticket Feyenoord versus Roulala Kyodian. Toi, tu veux un ticket pour. Si quelqu'un a un ticket pour Tirana, pour la finale. Il y a Kyodian, il demande, mais à mon avis, là, mon ami, tu ne trouveras pas les tickets. Là, je t'annonce, nous, on est les francophones, rares ceux qui ont eu ce sésame de pouvoir aller à Tirana. Elvin, donc je disais que tu es une tête d'affiche de l'actualité de la Juve. Tu parles italien, c'est là. Et bon, il y a un truc qui nous intéresse, là. Ah, ce soir, là, depuis un jour et demi, là, il se passe quelque chose. Alors, j'ai décidé de faire un live dessus parce que normalement, sur les rumeurs et un peu les trucs comme ça, parce que Rome, ça s'enflamme très très vite. Rome, Elvin, alors, je ne sais pas si la Juventus, mais en tout cas, à Rome, ce qui est sûr, c'est que pour vendre du papier, déjà tout l'été, il faut te sortir un homme, Paul Pogba, machin, Zlatan, CR7 à la Roma, et l'autre il va venir, tout ça, naninana, je te raconte pas, voilà. Et là, vu que la Roma est en finale de UEFA Europa Conference League, eh ben, il fallait pas qu'on se loupe, hein, il fallait bien qu'il y ait une info qui tombe comme ça pour bien te mettre la pression. Bon, ça va, c'est pas une information négative, hein, heureusement, hein. Voilà, c'est pas un joueur dans le vestiaire, ah, il s'aime pas, et Mourinho, il est en conflit. Bon, pour une fois, c'est pas ça, heureusement. Mais bon, c'est quand même une bombe un peu, c'est-à-dire que Dybala pourrait venir à la Roma. Alors, Edwin, c'est quoi cette histoire-là? Tu nous envoies Dybala? C'est que... Bah, pourrait, oui, parce que c'est un paramètre zéro, donc il peut aller partout. Ouais, maintenant, tu sais, côté Juve, on le dément complètement à l'heure actuelle. Après voilà, le futur de Dybala il est juste inconnu parce que lui il a pris aucune décision. Comme tu le sais, c'était son dernier match à domicile au Stadium lundi face à la Lazio. Je pense que tout le monde a vu les images, des larmes, etc. Donc il y a au sein des tifosi de la Juve, il y a l'espérance surtout de ne pas le voir au sein d'un club en particulier, l'Inter, qui est le club ennemi de la Juve. Mais même sur les réseaux sociaux qui se sont fait, tu sais, un petit jeu de se dire, vous préférez quoi? Inter, Milan, Rome, Inter, Rome, Milan, tu sais, de savoir où ira Dybala. Je pense que le mieux pour les tifosi de la Juve en général, c'est de ne pas voir Dybala rester en Italie. Ce serait la logique, ça serait de le voir ailleurs. Mais c'est le championnat qu'il connaît le plus. C'est le seul championnat qu'il connaît, puisqu'il a toujours joué en Serie A et évidemment en Argentine lorsqu'il était plus jeune. Donc non, à l'heure actuelle, la Roma, ce n'est pas du tout une piste chaude. En tout cas, côté Juve, on le dément complètement. La piste Inter, c'est une piste vraiment à tenir en considération. Moi, de ce que je sais, Dybala n'a pas pris de décision
sur son futur. Il a reçu des offres, il a reçu une grosse, grosse, grosse offre de Newcastle notamment, qui a l'argent, hein, mais refusé. On verra, la Première Ligue, ça reste quand même une porte à tenir en considération. Certains parlaient d'Arsenal. Mais donc, pour revenir au sujet principal de cette vidéo, pour le moment, je vois pas les présupposés afin que Dybala puisse rejoindre la Roma. Après, je vais pas te mentir, avec le mercato et encore plus, cet été, j'ai encore appris quelque chose, c'est que Dybala et la Juve, la prolongation était faite. Ouais. Accord total en octobre. Et là, on se retrouve au mois de mai en train de parler, de savoir si Dybala peut aller à la Roma. Donc, sur le mercato, il peut se passer de tout à n'importe quel moment. Donc, il faut fermer aucune porte. Mais je te dis ce que je sais, pour le moment, la Roma, non. Ah oui, la Roma, non? Alors, Tilo Mouki, salut à toi, cher ami. Alors, oui, il y a At Boussa Darum. Oui, il dit il y a des rumeurs d'Ibala. Donc, ouais, ce soir, c'est exceptionnel, hein, vraiment, pour le coup. Parce que d'habitude, je fais pas de live sur ça et tout. Mais là, ça a vraiment enflammé sur la toile, sur les réseaux. Donc, je me suis dit, allez, on va faire un petit live ce soir, d'Ibala, actualité de la Roma, etc., etc. Et Elvin est là pour nous en parler. Ciao, Elvin. Pourquoi d'Ibala n'a pas renouvelé à la Juve? Est-ce que c'est plus une question d'argent ou une question de projet sportif? Mais là, tu nous dis qu'en fait, apparemment, c'était fait, quoi. Et puis finalement, ben voilà, ben, c'est pas fait, quoi. Bah, en fait, tu sais, on va dire depuis que je suis la Juve de près, c'est l'une des plus grandes telenovas que j'ai pu voir, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est, en fait, la prolongation de contrat de Dybala, c'est d'actualité depuis au moins, je te dis, depuis au moins 2019, tu vois. Donc, année après année, il y avait, bah, peut-être que Dybala va prolonger, etc. Et il y a eu un changement dans la direction de la Juve, c'était l'été dernier avec le départ de Paratici. Je pense que ceux qui suivent la Serie A connaissent C'était Paratici, qui était le directeur sportif. le directeur sportif de la Juve. Et donc, il y a eu une nouvelle direction sportive qui est arrivée. Et à partir de ce moment, il y a eu le retour de Max Allegri. Max Allegri apprécie le profil de Dybala. Et donc, il a directement dit, lors de la première réunion avec le club, moi, je veux un joueur au centre du projet, c'est Dybala. Et à partir de ce moment-là, la direction a commencé à tout faire pour prolonger le contrat de Dybala. Donc, je te parle de ça en juin 2021. De juin à octobre 2021, négociations en cours, etc. Octobre, le 3 octobre exactement, 3 ou 4 octobre, accord total entre les parties. Dybala va prolonger son contrat avec la Juve. C'est accord trouvé sur 8 millions nets par saison, plus 2 de bonus en fonction de certaines présences, etc. Pas des bonus qui étaient facilement atteignables non. Et donc, peu à peu, cette prolongation de contrat est passée. Il n'y a pas eu l'officialisation, etc. Cette officialisation n'a pas pu se faire aussi puisqu'il était entouré d'un agent qui est son oncle, qui s'appelle Jörg Antun, tout simplement puisque son agent, les amis, bah, il vendait des voitures il y a quelques mois. Il n'était pas du tout agent. L'agent de Un Dybala vendeur de voitures, oui. n'était pas reconnu au CONI. Pour être un agent officiel dans le monde professionnel italien, il faut être reconnu au CONI. Et il ne l'était pas. Il l'a été officiellement, pour l'anecdote, en février 2022. Tu vois. Il a passé c'est quoi? Il a passé des concours pour que ça arrive des coups comme ça ou... Non, c'est des dossiers de la paperasse. La paperasse entre Ah, l'argent ok, et évidemment, il faut avoir des compétences, etc., ouais. Et remplir des oui ou non, il me contacts semble qu'il aussi, bien entendu. Et puis, bah, cette prolongation de contrat, novembre, décembre, n'arrive pas, etc. Il y a eu plusieurs fois où l'agent d'Ibala est arrivé à Turin pour rencontrer la direction de la Juve, et bah, ils ne se sont pas rencontrés, tout simplement. Et donc, la Juve a fait une évaluation plus concrète due à la nouvelle ligne directrice entreprise par le club, c'est-à-dire donner des prolongations de contrat à des joueurs qui respectent un certain type de palier, c'est-à-dire nombre de présences par saison, le mérite, etc. Et il y avait quelque chose qui ne cochait pas chez Dybala, c'est le nombre de Les présences dans une blessures, saison, c'est quoi? puisque C'est Dybala, malheureusement, depuis 2 ans, c'est un joueur qui se blesse malheureusement plus que d'habitude. Et donc, la Juve a décidé de faire un choix fort, ne pas prolonger le contrat de Dybala. Et cette Ah, c'est la officialisation, elle est Juve qui arrivée a lors de la. finalement. D'accord, c'est la Juve qui a décidé. Et donc, voilà, il y avait un accord total, en fait, je t'explique, au mois d'octobre. Et donc, dans l'énième réunion qu'il y a eu au mois de février, la Juve a rencontré l'agent Dybala, Jörg Antun, et tout simplement, elle n'a pas proposé de prolongation de contrat à Dybala. Donc, à partir de ce moment-là, le mariage s'est terminé. Et donc, ce n'est pas Dybala qui a refusé la Juve, c'est la Juve qui a refusé D'accord, de prolongation prolonger de le contrat contrat. à Dybala Donc là, pour il part donc du série coup, d'explications. il part du coup agent libre. Ouais, il part gratuit. Mourinho, je pense qu'il sera là. Oui, normalement, Mourinho sera là l'année prochaine, hein, les amis, il sera sur le banc. Mais du coup, là, Elvin, vraiment, à titre personnel, si
S'il avait renégocié là, Dybala et qu'il serait vendu, vous auriez pu en tirer. Parce que là, finalement, vous n'en tirez rien. Mais bon, c'est un joueur qui a quand même une certaine valeur ajoutée. Là, c'est un mec, tu peux te prendre au moins 30 millions là, quand tu le vends 30, 40. Et là, tu prends rien. Mais je te le dis, Romain, ça tenait qu'à moi, Dybala à zéro, tu ne perds jamais de la. Oh, jamais tu dois le perdre à Bah zéro. oui, tu Il y a perds des pas à joueurs, tu ne peux zéro. pas Tu les vois, perdre. tu peux pas perdre Dybala à zéro, quoi. Dybala, tu ne peux pas le perdre à zéro. Après, c'est un choix fort qui a été fait par la direction de la Juve. C'est-à-dire, assumer que tu perds Dybala à zéro. Et à part, on verra ce que fera la Juve cet été. D'ailleurs, il y a Di Maria qui n'est pas loin d'être le remplaçant de Dybala, etc. Donc, elle a fait un choix fort. Mais si tu me poses la question, jamais. La Juve doit perdre Dybala à zéro parce que Dybala c'est un joyau, parce que Dybala, comme tu l'as dit, malgré tout, c'est un joueur que tu peux vendre Ben 30, oui. 40, et j'abuse même pas, hein, facilement. Donc voilà, c'est un choix fort d'une C'est pour direction qui ça. Je assume. trouve ça, très bizarre de perdre un joyau et un leader. Il n'a pas 60 000 ans, hein, il a quand même 28, c'est ça? 28. 29 ans. Voilà, donc enfin, tu peux en tirer ce qu'on vient de dire. Hein, c'est, ouais, en plus, tu remplaces un Dybala par un Di Maria. Di Maria, je pense qu'à la Juve, il peut quand même apporter pendant 2 ans. Hein, je pense que. Il est, alors il y a Aurelio Leoni qui dit Di Maria il est cramé. Moi personnellement c'est un joueur que j'apprécie beaucoup Di Maria qui peut éventuellement emporter. Donc il jouerait où? Il jouerait à droite à la place de Bernardeschi et... Non, 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 Di Maria, c'est le remplaçant de Dybala. Enfin, Ah non. Bernardeschi, dans un 4-3-3, il jouerait à droite, tout simplement, parce que je pense que l'année prochaine, ça se dirigera Non vers mais un je veux dire ah, 4-3-3. ouais c'est mais je veux dire il joue à droite du coup parce que Bernardeschi joue à droite. Il joue. Oh, enfin, Chiesa, Bernardeschi, c'est. Chiesa, Chiesa, Chiesa. Ouais, voilà, ça serait plus excusable. Mais oui, après, tu sais, le raisonnement là, du commentaire que tu as reçu, il est plus que légitime, te dire que bah, tu remplaces un joyau comme Dybala, qui a même pas encore 30 ans, par Di Maria, qui va avoir 35. Surtout dans la nouvelle ligne Bizarre. directrice entreprise par la Juve qui vise des jeunes avant tout, Locatelli, Keane, Vlahovic, etc. Bah, ça peut sembler bizarre, mais c'est des choix forts. Et quand tu fais des choix aussi forts, il faut les assumer. On verra. Alors, il y a Martial qui nous dit que quitte à. Je voulais savoir si Mourinho. Alors, pardon, ça c'est pour Mourinho. On a répondu qu'il normalement sera sur le Paris prochain. Il a un contrat de 3 ans à hein, Mourinho. Donc, normalement, il a encore 2 ans hein, pour amener la Roma au plus haut niveau. Quitte à choisir, je préfère qu'il aille à la Roma. Il nous dit Diaz. Hein, il parle de Dybala. Même si c'est à paramètre zéro financièrement, ça reste compliqué de le prendre avec nous. La FPF, le salaire, ça va être important. Aucune garantie physique du joueur. Voilà. Mais il y a surtout un truc cloche, c'est que Dybala va jouer la Ligue des Champions Ah oui. et la Roma n'y est pas. Et ça c'est directement un problème. Après, il y a le problème aussi salarial, parce que malgré tout, la Roma devrait assumer un salaire important, le plus important de peut-être de l'histoire du club, si je ne me Ben, trompe c'est pas. Et Abraham qui a alors. 5 millions. Mourinho, c'est au final, c'est d'habitude les joueurs des Dzeko, tout ça, ils étaient à 6 millions. Et c'était l'entraîneur qui était très bas au niveau des salaires. Après, là, ce qui s'est passé, c'est que Mourinho a pris un salaire beaucoup plus important que les joueurs. Donc, du coup, ça montre un peu le rapport de force. C'est l'entraîneur, voilà, il est là et les joueurs sont en dessous. Et là, Dybala, c'est pas 5 millions, Dybala. Dybala. Ah non, non, et puis comme c'est un joueur qui joue en Serie A, tu ne bénéficies pas du décret Togrèche, comme on appelle en Italie. Donc tu le paierais brut, tu le paierais cher, la deuxième année de ton contrat, T'imagines? tu n'aurais pas une réduction. Ben. Donc oui, ça coûterait énormément cher, puisque Dybala, c'est au minimum, j'ai bien au minimum 8 millions nets par saison, et donc tu ne Oui. bénéficies pas du décret, donc en Après, brut, c'est cher. Dybala, c'est un joueur que j'adore, tout ça. Il a prouvé à la Juve tout ça. Bon, quand tu fais venir un Messi, un Zlatan, un Cristiano Ronaldo, bon, je pense que dans le vestiaire, ils se disent, bon, ben, si lui, il a 10 millions, on accepte, tu vois. Tu fais venir, c'est une icône, voilà. Mais un Dybala qui, en plus de ça, physiquement, il est un peu. Donc, oui, une star qui arriverait à la Roma. Mais dans le vestiaire, ça jaserait un petit peu, quoi, de se dire, c'est une star, Je sais mais quand pas. même, ouais, tu vois, merde, le mec, Ouais. il est presque à 10 millions, quoi, et moi, je suis à 5. Là, ils vont tous aller dans le bureau en se disant, et la Roma, en plus de ça, ils ont pris un nouveau tournant au niveau de la direction, c'est, on n'offre plus de prolongation maintenant, on attend vraiment les résultats, et maintenant, les cocos, si vous voulez vraiment une revalorisation salariale, faut la chercher. Il faut vraiment venir prouver que vous la valez. Parce que à la Roma, des fois, c'était beaucoup de cadeaux. Hein, Non, après, je pense pas que ça serait réellement un problème, parce que malgré tout, Dybala, c'est un top player du championnat, donc qu'il ait un salaire supérieur aux autres, ça semblerait même logique en fonction du 2. Et puis, il apporterait niveau merchandising Ah, à la Roma énormément. ça.
Ça, Ça serait un pilier. Donc, ça, oui. voilà. Donc je ne pense pas que ça serait ce réel problème-là. Après, comme tu l'as dit, la Roma, ils ont entrepris une ligne directrice plus Plus strict, globalement plus avec des strict. salaires plus faibles, plus stricts. Dybala veut jouer la Ligue des Champions. La Roma, difficilement, ira mettre autant d'argent pour un joueur qui a 29 ans. Donc, Pour ça. à l'heure actuelle, il n'y a pas les présupposés afin que Dybala puisse rejoindre la Roma. Alors Dario qui nous dit non merci pour Dybala, il y a Aurelio qui nous dit allez entre guillemets 10 millions et toujours blessé ça fait vraiment cher. Malgré les blessures je préfère encore avoir un Dybala dans mon staff que Di Maria âgé et pas vraiment au top lors de ses prestations. Il nous dit Evrad Nguema, salut Thomas Prévost, non mais que du Di Maria il est cramé de chez cramé, c'est bon que la Juve continue à le recruter aussi bêtement. Bon, je sais pas si c'est un recrutement bête ou pas de la Juve. Hein. Peut-être que c'est un ticket gagnant et de l'expérience, hein, dit mariage. Je sais pas, hein, on verra. Aujourd'hui, j'ai fait un raisonnement, j'ai écrit un petit papier là-dessus, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Tu sais, quand tu as Allegri comme entraîneur, qui est Hop un là entraîneur qui a besoin de là. joueurs, qui a besoin de joueurs confirmés, il n'y a pas un joueur jeune sous Allegri qui a explosé. Le seul, c'est Deschio, mais ce n'est pas un foiré classe, tu vois. Donc Allegri, il a besoin de joueurs confirmés, de joueurs tu vois, de 10, 12 joueurs dans son effectif qui ont déjà une carrière assumée. Et ce n'est pas pour rien si les rumeurs à l'heure actuelle à la Juve, qui sont des rumeurs concrètes, hein. C'est un choix qui peut être payant, hein, Perisic, tout ça. La Juve va sur une ligne directrice qui est différente, mais au bout d'un moment, tu dois t'adapter par rapport à l'entraîneur. Et Allegri, moi, je vois pas des jeunes qui peuvent exploser sous Allegri. Donc, il lui faut des joueurs confirmés. Bien Di sûr. Maria en est un, par exemple. C'est l'une des raisons pour laquelle la Juve s'intéresse à Di Maria. D'accord. Bon, mais c'est un choix, hein, des joueurs confirmés, je peux le comprendre, hein, de ne pas faire évoluer de jeunes et vraiment d'avoir des stars, vraiment des joueurs avec de l'expérience. Je reprends un tweet de Vito aujourd'hui, Elvin, par rapport à la Roma. Il est très sympa, Vito, de avoir sorti ça. Il dit, la Roma, c'est 273 millions de patrimoine net négatif à la clôture du dernier exercice, au 36-2021. Au premier semestre 21-22, déjà 115 millions de pertes comptables accumulées. Raisonnement, je ne vois pas Dybala débarquer à Rome quand le plus gros salaire du club est à 25 millions net. Voilà. Ouais, bah ça fait le raisonnement qu'on a eu. Et puis, au-delà de tout cet aspect économique, selon moi, il y a un truc qui cloche par-dessus tout. Pour être très, très clair, c'est la Ligue des Champions. Aujourd'hui, un joueur de 29 ans, sauf surprise, Ouais. il arrive dans un moment charnière de sa carrière. Je veux dire, il ne peut pas passer une année sans jouer la Ligue des Champions. Dybala doit jouer la Ligue des Champions. Et puis, Dybala est un joueur qui doit jouer la Ligue des Champions. Donc, la Roma, malheureusement, cette année, n'ira pas en Ligue des Champions. Donc, c'est compliqué. Et puis, comme l'a dit Vito, la Roma a conclu le dernier bilan avec des chiffres négatifs. Bien sûr, Donc, on a encore une grosse dette à renflouer, hein, donc. oui, quand ton plus gros salaire il est à 5 millions, Dybala, comme je t'ai dit, hein, un minimum, parce que Abraham a bénéficié du décret puisqu'il est venu d'étranger. Dybala ne bénéficiera pas du décret. Donc, en brut, tu le paieras très, 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 très cher. Même s'il est gratuit. Même s'il est gratuit. Et en plus de ça, il va falloir peut-être éventuellement payer des trucs à la signature, l'agent, etc., etc. Donc là, et ça coûte des millions. Non, et puis je vais te dire très honnêtement, je me mets à la place de la Roma, d'un tifosi de la Roma. Je pense qu'aujourd'hui, la ligne directrice, elle doit être ailleurs. C'est une équipe qui, cette année, a réalisé malgré tout un championnat correct. T'avais quand même l'Inter, Naples, Milan qui étaient au-dessus, peut-être pas forcément la Juve, mais ces trois-là étaient au-dessus. Ils n'ont pas à rougir de leur saison. Là, ils vont peut-être remporter la première Coupe d'Europe pour un club italien depuis 2010. Mais malgré tout, la Roma, tu vois, cette année commence à faire un petit pas. Je ne sais pas si l'année prochaine, il y aura la saison de confirmation. Mais tu entreprends une ligne directrice plutôt correcte avec ne pas donner des salaires mirobolants à des joueurs qui ne méritent pas, C'est ça? donner des salaires plus corrects à des joueurs qui le méritent. Déjà d'un point de vue de la soutenabilité économique, dans un projet qui est plus Bien intéressant, sûr. là où la Roma avait fait des erreurs dans le passé. Donc moi, je serai la Roma, je serai la direction de la Roma, je continuerai sur cette ligne directrice, je ferai tout pour prolonger Zaniolo, parce que Zaniolo a 2,5, je crois, millions nets par saison. Évidemment, quand tu as ton joyau, tu dois le prolonger un peu plus, et prolonger des joueurs qui aujourd'hui méritent d'être prolongés. Continue sur une ligne directrice économiquement Et puis stable, dégraisser pas de dépenses. le dégraissage de tous les joueurs qui ne servaient à rien et qu'il fallait absolument se débarrasser. Donc Exactement, exactement. Et c'est comme ça que tu deviendras compétitif en Italie.
compétitif en Italie, les amis. Il y a des messages. Oh, alors, Luca Bonamico. Oh, Elvin, tu as quitté la secte de Calou pour une soirée Bevenuto. Eh oui, Elvin. On l'adore, Elvin, ici. Sacré Elvin. Et il est un peu romaniste au fond de lui. Non, Et on va à Rome ensemble, Kelvin. Comment? À Rome quoi? Kelvin. Faut qu'on aille ensemble à Rome, Ah, mais Kelvin. oui, mais moi, Rome. si un jour on peut se voir. J'ai jamais vu un Roma Juve. Jamais. Donc, si un jour tu veux voir un Roma Juve, c'est moi, c'est. Avec Amine, ça fait 2 ans. Hein, il faut qu'on aille voir un Juve Roma et après on va voir un Roma Juve. Mais Tiens, finalement, on l'a jamais fait. regarde, on va signer un contrat. Et on va signer un contrat. Je t'attends à Turin. Ah, Tu je suis m'attends jamais à à Turin. Rome. Et hop. Ah, ça serait bien. Et ben voilà. Moi, j'aimerais beaucoup. J'aimerais. Oui, j'aimerais. Je suis jamais allé au Juventus Stadium. Ça serait une. Ah. Ouais. Jamais. Toi, t'es allé Un à stade. l'Olympico? Oui. Stade très très moderne. C'est le stade le plus moderne en Italie, Voilà. Où il le y a. Où stadium. C'est normal, c'est le stade il n'y a pas le d'ambiance, quoi. plus. Et depuis, il n'y a pas d'ultra depuis 2017. C'est un mortuaire absolu. Oh là là, le Ça, c'est la vérité. mortuaire, les amis. Mais oui, franchement, ça me ferait plaisir un jour de venir à voir un Juve Roma. Oui, forcément. En plus, toi, je vois que ça, actuellement, tu y vas beaucoup, là. Là, tu te fais plaisir, hein, Juventus Stadium, tu y vas. Quand il faut travailler, c'est sur le terrain, hein, il n'y a pas le choix. Oh. Je rappelle, les amis, que Elvin est journaliste. Hein. C'est un journaliste professionnel, ça y est. Journaliste, Modestie. Modeste. Non, mais oui, ça y est, tu fais tes papiers, tu travailles. Ça y est, tu commences à rentrer un peu dans le moule. Mais félicitations, Elvin. Illégalité, je suis plus dans l'illégalité. Ouais, il est plus. Voilà. Mais en tout cas, il fait du super boulot. Dommage qu'on n'ait pas un mec comme ça côté Roma, parce que vraiment, il est connecté 24-24 Juve. Il mange de la Juve, il dort Juve, il fait l'amour Juve. C'est incroyable. Et voilà, il est connecté Juve, quoi. Quel est le pourcentage de matchs joués par Dybala depuis son arrivée à la Juve? Ouh là là, Marty McFly qui pose cette question. Est-ce que tu le sais? Exactement, je ne Pourcentage saurais de pas, mais matchs joués. Ça fait, il avait un pourcentage très élevé lors des 5 premières saisons. Et depuis les 2 dernières saisons, c'est un pourcentage moins élevé. Sous Pirlo, ça a été le moins élevé, puisqu'il a passé, je crois, allez, bonne 55% de la saison, 60% de la saison à l'infirmerie. Là, cette saison, un peu moins blessé, ça a été le meilleur joueur de la Juve offensivement. Malgré tout, même quand il revient de blessure, ça reste un folie classe absolue techniquement parlant. Mais c'est vrai que depuis celui qui dira le contraire, depuis 2 saisons, c'est un joueur qui se blesse plus. Ça, c'est une absolue vérité. C'est l'absolue vérité, les amis. Message dans le chat. Pour ma part, alors c'est Tino qui nous dit, pour ma part, je prolonge Zaniolo et je prends Malinowski de l'Atalanta, Bergame, et ou Gonzalo Guedes. Voilà, ça c'est un choix de Tino. Tu as eu à parler au mois de janvier avec insistance avec l'agent de Zanello pour connaître la situation. Ce Zanello, il est en fin de contrat en 2024, donc ça presse pas. Fin de contrat 2024, mais côté Roma, on disait quoi là, il y avait le, tu sais, le, pense, il n'y avait pas d'accord sur une prolongation de contrat. Pour le moment, il n'y avait pas de réelle négociation pour une prolongation de contrat. Pour la Roma, j'espère évidemment que Zaniolo restera parce que c'est le, enfin, quand Zaniolo est en forme, les amis, qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Zanello, c'est. J'ai bien aimé son duo avec Abraham cette saison. Ça Parce dépend, que des fois ça Mourinho, marche, des fois comment. ça marche pas, ça dépend. Mourinho, c'est ce que j'allais dire. Mourinho est en train de trouver la petite astuce, la petite justesse offensivement. Il y a encore quelque chose un petit peu à revoir. Mais selon moi, leurs 2 qualités physiques, que ce soit celle d'Abraham et celle de Zanello, parce que malgré tout, Zanello est impressionnant physiquement pour l'avoir vu du stade, ça peut être vraiment intéressant. Et Zaniolo en Italie, c'est l'un des, selon moi, hein, l'un des meilleurs La jeunes. pépite à en devenir, quoi. Alors, ouais, le Est-ce discours, le que mec. Elvin, est-ce que par hasard, hein, mais ça c'est un a priori personnel, est-ce que si jamais Dybala devait venir à la Roma, même si c'est gratuit, tout ça, qu'il n'y a pas de, est-ce que il pourrait quand même y avoir un sous-marin des négociations futures sur Zaniolo avec la Juve, en se disant il vient chez vous, mais c'est parce qu'on vous l'envoie un petit peu aussi, mais en contrepartie, est-ce que tu vois ce que, est-ce que c'est possible ça? Ou c'est pas du tout possible, non, c'est. C'est pas à l'ordre du jour, mais si on l'imagine, oui, ça peut être une possibilité.
Alors, pas un échange, parce que tu Non, n'échanges voilà, pas un tu joueur à un n'échanges club. pas, voilà, Non. mais de se dire, il vient chez vous, mais attention, il vous demande de moins, mais nous, on prend ça. Joueur qui a toujours intéressé la Juve. Donc, s'il y a l'occasion d'économiser le moins d'argent possible pour arriver à une contrepartie technique, toute direction dans le foot te le ferait. Mais Dybala, Zénélo, c'est un échange qui est impossible parce qu'économiquement, Bien enfin, sûr. tu ne peux pas échanger un joueur à zéro et tout. Mais peut-être qu'un jour, la Juve pourrait essayer d'arriver officiellement enfin à Zaniolo, si un jour Zaniolo venait être un joueur de la Juve, et peut-être qu'elle pourrait utiliser un autre joueur qui intéresserait la Roma pour justement baisser le prix. Après, honnêtement, ça serait négatif pour la Roma parce que Zaniolo, encore une fois, si Sûr, sûr. tu le vends à son prix brut, c'est des joueurs comme ça que tu ne dois pas faire de rabais. Zaniolo, il vaut, je te dis n'importe quoi, il vaut 40-50 millions d'euros, tu le vends 50 millions d'euros, point. Du coup, c'est qui pour vous les joueurs à faire partir? Pachi Lampre ou la Roma? Il y a Di Maria, bon, il y a Diawara déjà qui va partir. Carles Pérez, éventuellement, peut-être. Il y a. Qui pourrait y avoir aussi, peut-être Darboué qui pourrait être prêté, je pense. Chomouroudov, il y a le cas Chomouroudov, on va voir. Veretout, Jordan qui serait éventuellement sur le départ. Hein. Jordan, à mon avis, c'est compliqué qu'il reste. Hein. Les négociations avec Jordan ont été un peu coupées là. Compliqué pour Jordan, j'ai peur qu'il nous quitte malheureusement. Voilà, donc je pense que. Alors, après, il y a aussi, je crois que, si je dis pas de bêtises, au retour de Kluivert de Nice. Parce qu'apparemment, s'ils ne vont pas en Europe, ils reviennent chez nous. Après, voilà, il faut se débarrasser des prêts, tout ça, définitivement. Under pour Lopez, ça y est, c'est à Marseille, hein, voilà, les amis. Voilà, en ce qui concerne les départs, on verra, Pachi. La vérité, l'année dernière, Jordan Veretout, c'était l'un des meilleurs milieux de Serie A. La saison qu'il fait, elle est juste fabuleuse. On sait qu'elle l'utilise. Ah. Et là, cette saison, le début de saison, il est compliqué parce que Mourinho ne l'utilise pas beaucoup. D'ailleurs, quand tu regardes statistiquement, en Europe, pour le moment, il n'a jamais débuté titulaire en phase d'élimination directe. Il a eu quelques blessures, etc. Et en Serie A, malgré tout, tu regardes, tu vois, ce n'est pas le joueur le plus utilisé au milieu de terrain. Mais statistiquement, encore une fois, Veretout, il sort une saison propre. Veretout, il sort une saison Il propre. sort Donc moi, une je vous le saison dis, un les peu amis. propre. C'est Et un jour, la Roma a fait un très mauvais match et beaucoup de personnes dans le chat, ici dans l'émission, étaient tombées sur Jordan. Et j'ai eu le papa au téléphone qui, on s'est appelé, on a longuement discuté, et il m'a dit, Romain, je vais te donner les statistiques de Jordan. Les statistiques de Jordan étaient, par rapport à ses coéquipiers, étaient très bonnes. Et donc en fait, entre ce qu'on voit à l'écran et la perception qu'on a et les statistiques, et bien en fait, Jordan est au niveau défensif est beaucoup utilisé par Mourinho. Il s'en sert beaucoup pour combler un peu les brèches, surtout côté Zaleski, tout ça. Et Jordan, bon, malheureusement, voilà, Mourinho l'a utilisé beaucoup pour ça. Il lui a dit de pas trop monter cette saison offensivement. Mais ses statistiques sont assez correctes à Jordan. Hein. Non, ouais, mais c'est la dernière fois que je regardais, parce que ça m'intéressait. J'avais vu qu'en Europe, il était moins utilisé, mais en Serie A, malgré tout, eh ben pour un joueur qui est peut-être, et c'est la vérité, plus en difficulté que la saison dernière, la saison dernière, elle a fait une saison vraiment très, très correcte. Honnêtement, les statistiques sont bonnes. Et Sur moi, je m'attends à ce que Deschamps. Je dis très honnêtement, pour moi, Deschamps doit convoquer Veretout à la. Ah bah écoute, ça serait bien, ça serait bien, mais bon, on verra, il faut qu'il joue un peu hein, pour vraiment être convoqué avant tout ça. Peut-être le regard biaisé d'une personne qui regarde la Serie A et qui suit la Serie A, mais honnêtement, Veretout dans l'une des saisons les plus compliquées des 3 dernières Faudrait qu'il années, aille à l'OM bah encore une éventuellement. fois, Pour vraiment avoir un côté d'être sélectionné, il faudrait qu'il aille à l'OM et être beaucoup utilisé, quoi. après, bah, tu sais que jouer à la Roma sans être méchant, ça aide pas d'un point de vue de la visibilité. Il vaut mieux être dans un FC Barcelone que dans la Roma. Mais Didier Deschamps, il suit la Serie A. Bien sûr. Donc, nul doute. Et c'est pour ça qu'il l'a convoqué. Deschamps l'a convoqué quand il le méritait. Et ça, c'est plus que logique. On a eu un appel, un appelant qui est avec nous. Qui est-ce? Luca. Ça va, Romain? Ça va, Elvis? Vous allez Ah, bien? Vous m'entendez? Luca qui? Lukaku? Luca Bonamico sur Goldfinger sur Twitter. Ah, Luca! Bon, parce Ok. que tu sais, Luca, il y en a des Luca. Il y a Luca Partinico, il y a Luca Oui, c'est l'Italien, vrai. il y a C'est Luca. vrai. Ah, C'est vrai, c'est Luca vrai, c'est vrai. Bonamico! Goldfinger. Ça va? Ça fait longtemps. Ça va et vous les gars? Vous allez Oui, bien? très très bien.
Ça va, Alphine, tu vas bien aussi? Ça va et toi? Ça va, nickel, nickel, nickel. Ça m'a fait drôle de te voir sur le live. J'ai l'habitude de vous suivre un peu aussi du côté de la Juve. Je regarde pas mal de youtubeurs et ça m'a fait drôle de te voir ici ce soir. Et tu sais, je vais te dire un truc, quand il y a Romain Rabal qui t'appelle, tu peux pas refuser. Tu peux pas refuser. Je lui ai mis le pistolet sous la tempe. Mais oui, non, mais Elvin, Non, mais... on s'entend très très bien avec Elvin, on a très bien sympathisé et à chaque fois que je lui dis tu viens, il me dit il n'y a pas de problème, je viens. Donc, Eh ben, en tout cas, je voulais te dire que tu avais raison tout à l'heure de souligner le travail d'Edwin qui fait un super boulot, qui est toujours au courant de tout et qui vit foot, qui vit Youv et qui vit Serie A aussi. Et donc voilà. Et il a un très bon comportement. Il accepte les autres clubs. Il parle Exactement. avec beaucoup de bienveillance des autres clubs. Voilà, il n'a pas d'animosité. C'est vraiment Exactement. bien. C'est pour ça que j'ai fait ma petite blague tout à l'heure sur la secte, parce que j'aime bien Oui. Elvin, parce qu'il est respectueux. Donc voilà, c'est important de respecter aussi les autres clubs, quoi. Donc voilà. Lucas, Voilà, les gars. tu avais dit que Oui, vous m'entendez? oui, on t'entend très bien, Lucas. Mais merci déjà pour tous Ouais. tes compliments envers Elvin et moi. C'est très Il n'y gentil. a pas de souci, les gars. À moi de le remercier aussi. Et Merci beaucoup, ouais. est-ce que tu avais des questions sur le passage de... Profite, hein, parce que Elvin, il a des questions Juve, il faut profiter. Bah Ndibala. écoute, ouais. Enfin, des questions Youv, et je voulais parler un petit peu du mercato de possible de la Roma. Et puis du coup, vu qu'Elvin est là, pourquoi pas parler d'un petit peu de Dybala, même si je sais que vous en parliez en début de live. Parler un petit peu de Dybala, de sa venue possible ou non à la Roma. Possible. Bah moi, je voulais dire que j'étais assez d'accord sur le fait qu'économiquement, je suis pas sûr que ce soit une super idée pour la Roma, même si les finances de la Roma vont quand même un petit peu mieux depuis l'arrivée des Friedkin. Les finances vont quand même un petit peu mieux. Tout dépend à combien on signerait Dybala, parce que je sais que le Decreto Crescita, il est plus actif, avec Dybala qui vient d'Italie, hein, qui est depuis bien sûr bien plus de 2 ans en Italie. Il était à Palerme déjà avant, donc il n'y a pas de Decreto Crescita pour Dybala. Donc ça veut dire qu'on le paye à 100% de son salaire. C'est-à-dire qu'on paye le double en taxes, le net et enfin le brut est égal au double du net, quoi. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Yes. Donc voilà. Donc je suis pas persuadé que ce soit une super idée économiquement parlant. Après, sinon, quand le cœur il parle, Dybala, c'est la joie. Dybala, c'est un joueur incroyable, hein, techniquement, voilà. C'est pas quelqu'un. Alors, même si ces 2 dernières saisons, c'est quelqu'un qui a été beaucoup blessé, je suis pas persuadé que ce soit un Pastore ou quelqu'un comme ça qui passera sa vie à l'infirmerie. Je pense, enfin, je veux dire, cette année, la Juve, elle a eu beaucoup de blessures. Il n'y a pas eu que Dybala. Il y a eu beaucoup de clubs qui ont eu, il y a eu beaucoup de joueurs de la Juve qui ont eu beaucoup de blessures. Et je pense que peut-être que le staff médical de la Juve a changé pas mal ces dernières années avec les changements d'entraîneurs. Il y a eu Pirlo, il y a eu Sarri, il y a eu Allegri. Donc il y a beaucoup de staff qui ont changé. Et donc les blessures de Dybala sont peut-être dues à ça. C'est peut-être un joueur fragile, mais qui n'a pas été très bien géré, très bien entouré, qui fait qu'il a eu les blessures à répétition. Parce que comme tu le disais, Elvin, tout à l'heure, sur ses 5 premières saisons, Dybala, il a été très présent avec un pourcentage de matchs très élevé. Donc voilà, je pense qu'avec un staff qui fait attention à lui, les blessures, c'est peut-être pas une grosse inquiétude à avoir. Après, c'est surtout économiquement, parce que sinon, Dybala, c'est un joueur incroyable. Et bien sûr, je le veux tous les jours sous Mourinho. Faire un quatuor Tammy, Zaniolo, Pellegrini, Oh là là, Dybala, je Pellegrini, pense ouais, qu'on n'en reste Pellegrini, plus. Tammy, Ce Zaniolo, c'est serait ah ouais. incroyable Ah ouais. avec Pellegrini derrière les trois là. Ce Ah ouais, serait vraiment ce serait incroyable. vraiment Je pense que ce serait un quatuor sur le papier, il nous fait tous rêver, quoi. Donc bien. Ouais. voilà. Après, la faisabilité, j'en sais rien. J'en sais rien. Il Ouais. y a l'appel, il y a aussi. Ouais. Elle est compliquée, oui, la faisabilité est compliquée. Mais Lucas, tu crois pas que c'est un peu une bombe un peu positive des médias, parce que tu sais qu'à Rome, les médias, c'est étouffant. Avant la Pour finale. se dire ouais avant la finale tu vois ce que parce que à chaque fois que la Roma avait un enjeu assez important au fil des autres saisons il y avait beaucoup de critiques négatives et dans le et Fonseca il a Oui. perdu ses joueurs et Spalletti machin et l'autre machin tout ça tu vois c'était toujours négatif là c'est plutôt positif hein, voilà c'est un joueur qui vient c'est dit bah là c'est pas n'importe quoi est-ce qu'avant la fin de saison c'est pas un petit coup de Oui. pression tu vois de se dire Franchement, j'en sais rien, je pense pas, parce que les journaux à Rome, ils sont toujours
toujours en mouvement, toujours très mouvementé. C'est toujours la folie, que ce soit en positif ou en négatif. Ah là là, il y a eu un petit truc avec Dybala, ça y est, tout le monde en parle. On a l'impression que c'est quasiment fait. Je vois Roma en pôle sur tous les journaux. On a l'impression qu'il va signer chez nous demain. C'est ça, alors c'est que, ça. Alors on a, c'est moi, c'est un effet. Pas du tout. Tout le monde s'emballe, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, ça s'emballe toujours à Rome, c'est comme ça. Donc voilà. Que ce soit pour la finale, non, je ne suis pas persuadé de ça. Je suis pas persuadé de ça. Après, j'ai une grande, grande confiance en la nouvelle société, que ce soit Pinto, Mourinho ou les Friedkin, dans la communication. Dans la communication, je pense qu'ils sont très, très forts. Ils sont sur forts. Nos derniers, les derniers achats du Mercato, ça n'a pas fuité. Ils sont forts, ils disent rien. Comme c'est souvent. Ça, donc ils peuvent que fort. Voilà, oui. C'est ça. C'est ça. Et tant mieux. Ça n'a pas fuité comme... Ouais, vas-y, dis-moi. Non, je dis tant mieux qu'ils disent... Parce que d'habitude, on avait des palotas qui parlaient tout le temps, ah oui. des tops dans le club, et il va arriver, machin, tout ça, et ça va pas parce que l'autre, ils se sont boucanés, des machins comme ça. Là, cette fois, c'est fermé, fermé. Avec Mourinho, il n'y a pas eu une seule top. Il y a juste eu le moment où... Et encore, c'est Mourinho qui a fait l'erreur parce qu'il s'est un peu engrainé, tout ça, par rapport au Bodo quand on est parti là-bas, quand on s'est pris une rousse. Mais après ça, il a fallu un peu de temps pour que ça se calme. Et là, il n'y a plus de rumeurs, hein. Le seul truc un peu machin, c'est est-ce que Veretout, tout ça, mais c'est vraiment, ça dure 15 jours, après plus rien, quoi. Donc, ils arrivent vraiment à structurer les informations pour pas que ça fuite. Et là, Mourinho, vraiment, il rencarde, quoi. C'est pas dans la durée des trucs négatifs, quoi. De toute façon, ça s'est vu dès le début, depuis que Pinto il est arrivé, c'est quelqu'un qui travaille aussi, en sous-marin. Pinto. Ça veut dire qu'on n'entend pas parler des joueurs 3 semaines avant. Voilà, les joueurs, on en entend parler une semaine avant, une semaine après, c'est signé. Donc voilà, là-dessus, Pinto, bah, j'adore, c'est bien. Au moins, avec l'ambiance de Rome, ça permet de ne pas trop parler. Ça permet de. Donc voilà, ça c'est cool. Et c'est les Friedkin qui l'ont choisi, donc ils ont fait un très bon choix. Et en prenant Mourinho, qui est un excellent communicant, je veux dire, je pense que sur le marché des entraîneurs au monde, il n'y en a pas beaucoup qui communiquent mieux que Mourinho. Voilà, que ce soit en conférence de presse, dans la communication avec les joueurs, avec ce que tu veux, il est excellent. Il est excellent, José. Peut-être qu'il a un peu tapé sur son équipe après la défaite 6-1 à Bodo. Après, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a pris José. C'est un capitaine de bateau, c'est un capitaine de navire. C'est lui qui décide. Voilà, on est la Roma, on n'a pas besoin d'avoir des joueurs stars. Nous, si l'entraîneur est la star et que c'est l'entraîneur qui décide c'est tout ça, de A à Z, ça nous va très bien. Faut pas que ça reparte comme les années d'avant avec les sénateurs. Je pensais à des échos, tout ça, qui faisaient virer les entraîneurs, qui en avaient marre et qui traînaient des pieds. Du coup, les entraîneurs étaient virés. Voilà, avec José, il ne se passera pas tout ça. C'est une main de fer. Et je pense que pour nous, c'est pour la Roma, en tout cas, c'est très, 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 très bien. Donc, voilà, hein, pour moi, c'est un excellent communicant. Donc, voilà. Après, pour reparler de l'histoire de Dybala, et que tous les journaux en parlent, non, je pense pas que ce soit... Ou les journaux s'ambiancent, oui, mais je veux dire, c'est typiquement romain, quoi. Si, voilà, la société, elle reste calme. José, ils n'en parlent pas. Pinto, ils n'en parlent pas. J'ai regardé la conférence de presse aujourd'hui de José, là, qui a été publiée par la Roma, là, de 50 minutes, qui parle de la finale. Voilà, José, il est toujours focus. Il respecte ce qu'il a dit depuis le début de saison, quand il a dit que ce serait une saison avec des hauts, avec des bas, que ce serait difficile. Quand il a dit qu'il n'avait pas d'effectif pour faire tourner, après, au bout d'un moment dans la saison, au bout de 6 mois, il a dit « ça y est, maintenant j'ai un effectif, je peux faire tourner ». Et on l'a vu. Et du coup, à partir du moment où il a dit ça, il a commencé à faire tourner. Donc voilà, c'est tout. Non, j'ai rien à dire là-dessus. Je suis très content. Je suis très content de José. Je ne pense pas que l'histoire d'Ibala soit faite pour nous déstabiliser avant la finale. Je pense que c'est les journaux romains qui, comme d'habitude, s'emballent. Quoi. Ok. C'est mon avis. Après, le fait que ce soit positif, tant mieux, j'ai envie de te dire. C'est vrai que pour une fois, c'est quelque chose de positif qui nous tombe dessus et c'est pas un truc négatif. C'est ça. Pour une fois, c'est bien. Ben, si, il y a eu le truc avec le mec qui a viré les journalistes du bar hier, je sais pas si tu as vu. Oui, l'agent de sécurité. L'agent de sécurité, J'ai vu vaguement. Hein, mais bon, ça n'a pas de rapport avec le terrain, donc voilà, c'est... Non, mais c'est la Roma, c'est ça. Il y a des trucs qui viennent nous perturber. Moi, j'ai vu la vidéo du mec de sécurité qui sort le journaliste avec le journaliste qui crie Ayuto, Ayuto dans la rue. Voilà, ah ouais, des choses comme ça qui sortent encore sur la Roma. Ouais. Et ben voilà, il y a des choses encore comme ça qui sortent sur la Roma. Bah voilà, c'est fait pour parler de l'extra-sportif. Et voilà, et ça arrive souvent, mais bon, c'est comme ça, hein. Et je pense que José, il est parfait pour gérer ce genre de situation, il prend la pression sur lui, il enlève la pression à ses joueurs, il a toujours fonctionné comme ça, il a toujours fait ça, et bah, pour l'instant, écoute, même si le championnat n'est pas incroyable, voilà, pour l'instant, ça marche en tout cas pour la coupe, pour la finale de conférence,
Et on verra l'année prochaine. Moi, je dis, laissons-le construire un petit peu son équipe avec Pinto. Et voilà, j'espère un beau mercato sans faire trop de folie financière. Après, Dybala est gratuit. Donc, même si on lui donne un gros salaire, ça peut être l'effort salarial des Friedkin pour faire un cadeau à José. Je sais pas. Pour la Coupe d'Europe, s'il la remporte et une qualif en Europa League. Voilà. Après, comme tu disais, Elvin, tout à l'heure, c'est vrai que le fait que la Roma soit pas en LDC l'année prochaine, ça, je pense que c'est un gros, gros, gros point noir pour la venue de Dybala. Il va avoir 29 ans et un joueur de 29 ans de sa qualité, voilà, ne, je le vois pas aller dans un club. Le joueur veut jouer la Ligue des Champions. Bah oui, oui, c'est sûr, mais c'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Après, c'est peut-être l'histoire d'une saison. Qui dit qu'avec Dybala, on finit pas dans les quatre premiers, ça nous rajoute une force offensive supplémentaire incroyable. Et il peut nous emmener. Ça peut être une saison d'Europa League. Tu fais la Ligue des Champions à 30 ans, t'es à ton prime et voilà. Oui, c'est possible. Ouais, mais je pense que le joueur, c'est le type de joueur qui a besoin de certitude dans l'immédiat. Je l'explique, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu arrives à 29 ans, tu n'as plus le temps de faire des bêtises ou entre guillemets de prendre des choix qui te passent directement dans la tête, un petit peu comme Bonucci à l'époque à Milan, tu vois, avec il avait fait son choix. Quand tu as 29 ans, tu prends des décisions choisies, posées, etc., drastiques. Et honnêtement, je le dis avec la plus grande sincérité, Dybala ne pas jouer la Ligue des Champions. Tu vois, je le verrais vraiment très étrange, très, très, très étrange. Okay. Après, je ne connais pas la mentalité du joueur, l'homme, le caractère de l'homme, sa mentalité, etc. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Après, est-ce qu'il a la cote auprès des grands clubs? Est-ce que Dybala a vraiment la cote auprès des grands clubs? Est-ce qu'il y a vraiment des grands clubs? Parce que j'ai vu en Angleterre, parce qu'il ne faut pas oublier la piste étrangère, hein, je pense que ça peut l'intéresser aussi. J'ai pas vu des grands noms. Hein. J'ai vu Newcastle. J'ai pas vu d'énormes noms hein, sur Dybala, honnêtement. Newcastle, très 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 grosse offre refusée par Dybala. Il y a Arsenal à pas exclure, etc. Mais pareil, est-ce que Arsenal jouera la Ligue des Champions? Moi, j'exclurais pas non plus Manchester, mais même Discord, Manchester United joue pas la Ligue des Champions. Mais après, oui, t'as cette piste super, t'as cette piste Inter, tu dois pas exclure. Non, je suis d'accord. Okay. Bah, le plus probable, ce serait l'Inter, parce que parmi les clubs intéressés qui jouent la Ligue des Champions, ça a l'air d'être l'Inter les plus aptes à. Mais financièrement, l'Inter, on va être obligé de vendre avant de prendre Dybala. Donc voilà. Après, Dybala, il fait partie un petit peu. En tout cas, moi, j'ai cette vision-là des types de joueurs, tu vois, que tu n'imagines pas dans un autre club que dans le club où il est actuellement, tu vois, de par sa philosophie de jeu, de par le système de jeu de certaines équipes. Moi, Dybala, c'est le type de joueur, direct, quand tu me dis Dybala, je pense à la Juve, tu vois. Ouais. Bah, aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il y est, c'est normal. Voilà, et donc tu ne l'imagines pas ailleurs. Il y a des joueurs comme ça qui n'imaginent tout simplement pas ailleurs. Ouais. Bah, malheureusement, ce sera le cas cet été. Oui, malheureusement, c'est ça. Lucas? Ouais. Oui. Un dernier mot, un petit quelque chose? Bon, écoutez, là comme ça, non, pas vraiment. Ça m'a fait plaisir de venir parler un petit peu de Dybala comme ça. On verra bien où est-ce qu'il ira l'année prochaine. Après, non, sur le mercato, je vous entendais parler rapidement tout à l'heure des autres joueurs de la Roma. Veretout. Qui pourrait éventuellement notamment partir. Ouais, Bah, je pense honnêtement, moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on ne l'ait pas vendu l'année dernière vu la saison qu'il a fait cette année, parce que c'est sûr, alors c'est facile de dire ça maintenant, hein, mais on l'aurait pu le vendre beaucoup plus cher, parce que cette année, vu la saison de laquelle il sort, on ne va pas le vendre grand-chose, Jordan. C'est un mec qu'on aurait pu vendre facilement 30 millions l'année dernière, alors que là, si on arrive à le vendre 20, je suis content, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est dommage. Après, je pense que Jordan n'est tout simplement pas fait à pas adapté au jeu de Mourinho. Jordan, il est plus fait pour jouer dans un milieu à 3, je pense, en tant que relayeur, faire le box-to-box. José, c'est pas ce qu'il demande. José, il aime bien avoir des 6 devant la défense et après des joueurs offensifs avec un 10 notamment. Je pense qu'il sait pas trop quoi faire c'est du ça. Profil de Jordan, en fait, et c'est pour ça qu'on n'a pas le Veretout qu'on connaît, en fait, et c'est dommage parce que ça peut c'est être ça. Un joueur incroyable. Et donc, bon, voilà. Donc bon voilà, je suis un peu déçu pour Jordan, mais je pense que ce sera le gros départ de la Roma de cet été. Si Zaniolo ne part pas, parce que bien sûr, moi c'est Zaniolo que je vais garder par-dessus tout, je pense que c'est le joueur le plus à risque, Zaniolo. Donc voilà, Zaniolo à garder, et puis je verrai tout, ce sera peut-être le grand perdant du mercato, et ce sera le plus gros départ, je pense, de la ouais. Roma. Ok. Donc voilà. Ok. Voilà, les gars. Merci Lucas. Bah écoutez, merci à vous, c'est gentil.
Merci à Passez une toi. bonne soirée, Également, bon Lucas, courage merci. et bah, continuez ce que vous faites, les gars. Vous êtes forts, vous êtes géniaux. C'est gentil, merci Lucas, très gentil à Bonne toi. soirée. Ciao, à Ciao, bientôt, ciao. passer. Ciao, ciao, Lucas. Bonne soirée, ciao. Lucas, mon ami, Goldfinger sur les réseaux Twitter. Mais merci à toi, Lucas. On a besoin d'un Koulibaly en défense 4-3-3, 4-2-3-1. Oula, Mirba. Voilà, un Koulibaly, je pense que tu tapes un peu fort. Et puis surtout que la défense, je pense que celle qui est en place risque d'être répétée pour la saison prochaine. RDC Investissement, oui. Donc le sujet, en gros, ce soir, c'était Dybala avec notre ami Elvin, le Juventino, qui nous fait l'honneur d'être présent. Alors bon, tu arrives un peu en retard à RDC Investissement. Pourquoi Dybala? Ben, déjà, la Roma, c'est pas sûr qu'on prenne Dybala. En fait, on a plus parlé sur le fait de pourquoi Dybala ne viendrait pas, parce que économiquement, parce qu'il veut la Ligue des Champions, tout ça. Bien sûr, s'il viendrait, ça serait l'euphorie à Rome, une star, mais avec un salaire très très élevé. Donc dans le vestiaire aussi, il faut faire attention. Elvin l'a dit, c'est un salaire tout. Oui. Romain, j'irai mieux. J'irai mieux. N'hésitez pas à aller voir le replay. On a fait un plan. Il n'y a pas plus clair sur le plan Dybala, Romain. Les De amis. Je quoi? pense qu'on a tout dit. De quoi? Dans... Ah, sur le replay Non, là. sur ce canal. Ce canal. Il faut revoir le replay. On a Ah fait, ben voilà, ouais, voilà. je Ben, voilà, pense. Elvin, il a bien. Et surtout, allez sur les chaînes YouTube de Amine et de Elvin. Hein. Voilà, il faut aussi, il parle de Dybala. Vous avez fait un petit live Dybala avec Kalo et Amine par hasard? Vous en avez parlé un peu? Pas moi, mais hier, oui, ils étaient en Hier, on en direct. parlait. Bon, ben voilà, vous avez même le live d'Amine, si vous voulez, vous tapez du Dybala. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore fait, les amis. Hein. C'est juste des rumeurs de journalistes à Rome. Dybala à la Roma, ça s'enflamme. Les amis, je vous le dis vraiment. Gagnons le Torino pour une validation, une qualif en Europa League via le championnat la saison prochaine. Et après, le 25 mai, la finale, il faut absolument la remporter. Dès qu'on aura validé ça, les amis, on parle de ce que vous voulez. Tu peux même parler de Cristiano Ronaldo, tu peux parler, mais au moins, tu finis ta saison sixième, cinquième ou sixième et avec le trophée européen. Après, on parle de ce qu'on veut. C'est là, mais il faut d'abord concentration maximale. Eric Bailly arrive à l'AS Roma. Ah, ben si Eric Bailly vient à la Roma, pourquoi pas? Moi j'aime bien Eric Bailly. Pénalty raté contre la Juve a laissé des marques. Le pénalty. Ah, de Veretout. Bon, après, alors, je pense que Mourinho, il a vraiment des choses précises. Il lui dit vraiment quoi faire à Jordan de façon très précise, que c'est très structuré dans la tête de Mourinho. Il lui dit tu fais ça, tu fais pas autre chose. Et je pense que Jordan n'est pas épanoui. Voilà, je pense qu'il y a eu des trucs aussi. Après, on ne connaît pas tout, les vestiaires, dans les bureaux, tout ça. Jordan, la prolongation, elle n'est pas venue. On ne lui a pas donné. Donc, il sent qu'il va partir et cet été. Donc, je pense qu'aussi, il est plus épanoui, Jordan. Il le fait parce que c'est un professionnel. Il doit l'être. Hein, il faut qu'il reste professionnel. Et qu'il, s'il peut gagner la Conference League, au moins, il part avec la Roma, la tête haute, avec un trophée. Je lui souhaite à Jordan. Dans l'histoire, le premier Français à gagner l'Europa Conference League. Premier Français à gagner l'Europa Non, mais Conference comme League. tu dis, Avec la le Roma, souci, il est qui tactique. gagne Il est l'Europa tactique. Conference League. Donc Non, mais le souci, il est tactique, Romain, chez Mourinho, comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus le nom du très bon qui a parlé juste avant, mais Lucas, je crois, Luca si je ne me trompe pas. Bonamico. Mais, voilà, c'est un problème en fait, parce que Veretout, il excelle dans un milieu à 3, tu vois, en position numéro 6. Et Mourinho, bah, tactiquement, cette année, il avait Et il a besoin de sa d'autres. liberté, Jordan. Ouais, ben, c'est un milieu qui rayonne lorsqu'il a la capacité d'avoir le ballon. Veretout, il est en puissance quand il a le ballon. C'est un milieu qui doit avoir le ballon. Il y a des milieux qui apprécient ne pas avoir le ballon. Lui, c'est un milieu qui a besoin d'avoir le ballon. Mais après, ce qui est positif sur la saison de Veretout, je le répète, c'est les stats. Il a encore des stats très bons. Voilà, Elvin qui s'est renseigné sur Jordan. Honnêtement, si on doit mettre les sous cette saison au mercato, c'est plus d'un 6 que l'on aurait besoin, nous dit Lolo Romaniste. Oui, un 6. Alors, Camara à l'OM, hein, peut-être éventuellement un 6. Bon, je pense que ça ne se fera pas. Maxime Lopez, hein, de Sassuolo aussi, qui peut être pas mal. Veretout, vous le vendez minimum combien? À moi, Jordan, si je dois le vendre, c'est au moins 30 millions. 30 millions max. C'est quand là La question c'est de... Non, mais c'est il est en fin de contrat quand? Jordan, il a en fin de contrat jusqu'en 2024, les amis Jordan. Il lui reste encore 2 ans. Ça va.
2 ans, 1 an ou 2 ans. Mais bon, moi Parce que si c'est je. Ouais, pas en dessous de 20 un millions. an. Pas en dessous de 20 millions, voilà. Pas en dessous, pour moi, hein, pas en dessous de 20 millions. Sinon, après. Veretout, au revoir, malheureusement. Eh ouais, Mano Romano. Mano Romano. Jordan, il s'en va, Mano Romano. Ta fille, va pleurer. Vous pensez quoi de la rumeur Maxime Lopez? Je trouve que ça serait un profil. Ah, moi, si Maxime Lopez, il vient à la Roma, en plus, c'est un minot de Marseille. Va falloir qu'on le rencontre, Maxime Lopez. Hein. Va falloir que. Hein, Maxime Lopez, je te lance un appel, Maxime Lopez. Tu m'appelles. Elvin, il m'a bien appelé, donc toi, tu peux le faire aussi. Désolé, je ne peux pas être des vôtres ce soir, je suis au taf. Thomas Prévost, courage, mon ami, travaille bien. Amir Bailly, 15. Jordan, 20 millions. Ouais, voilà, pour Mano Romano. Le problème, c'est que les joueurs doivent être cramés, surtout Abraham. Il va falloir prendre un attaquant, hein, ça c'est sûr, les amis. On ne peut pas rester à deux attaquants. On les a bien vus les saisons précédentes. Quand il y a deux attaquants, que ce soit Dzeko Chic, Dzeko Mayoral, c'est pas possible. Il faut absolument un troisième attaquant. Voilà, la Roma l'a démontré, c'est sûr. On l'a bien vu. Là, Mayoral est parti. Alors déjà que Mourinho, il fait pas jouer Chomurodov, il ne fait pas jouer Mayoral. Abraham, il est cramé. Tu mets Chomurodov qui joue pas beaucoup. À un moment donné, je crois que c'est. Oui, c'est avec Heyman. On a fait un live précédent avec Heyman. Il parlait de Cavani, par exemple. Ce qui serait bien pour la Roma, c'est d'avoir un attaquant de ce style, un peu Cavani, t'sais, un attaquant d'expérience qui ne rechignerait pas à aller sur le banc, mais qui, dès que tu le fais rentrer, le mec, il est au top. Tu vois ce que. Voilà, c'est vrai qu'un Cavani, depuis quelques années, enfin, moi, personnellement, ça me ferait rêver d'avoir un Cavani à la Roma. Pas en titulaire, parce que c'est Abraham le titulaire, mais derrière, t'as Cavani, tu vois. Comme j'ai dit, ça romprait un petit peu avec la nouvelle stratégie entreprise par la Roma. Je ne sais pas ce que fera la direction de la Roma cet été, mais pareil, enfin, Cavani, c'est un joueur, il a besoin d'être assuré d'être titulaire. Alors, bon, en tout cas, je le vois comme ça. Entre Abraham et Cavani, je te titularise tous les jours Abraham. Je ne sais pas, gros salaire pour être sur le banc, gros salaire, donc au minimum, Cavani, hein, au minimum 7-8 millions nets par saison. Je Il pense faut pas que que la Roma ira sur un. il faudrait que le projet soit très intéressant et qu'il arrive à baisser un peu, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je veux Matic ou Chaka au milieu de terrain, je veux dire investissement. D'accord. Oui, Chaka, j'aimerais beaucoup Chaka. Donc Camillo, Lucas Bonamico, c'est un milieu qui régule le jeu, qui court beaucoup, qui est intelligent, c'est justement ce qui nous manque. En remplacement de Mickey, il serait parfait Maxime Lopez. Maxime Lopez, j'ai peur qu'il ne soit pas adapté au jeu de José, nous dit Lucas Bonamico, donc c'est pour ça que Don Camillo lui a répondu. Mano Romano, il veut Terrier, le joueur de Rennes. C'est la fin d'une ère, Veretout. Même si c'est pour se reconstruire un nouveau mieux qualitatif, je le vends, il nous dit Lucas. Voilà, qui est prêt à vendre Jordan. Mais je le rappelle, hein, pas en dessous de 2 millions, Jordan. Hein. Mais ça m'emmerde de le vendre. Ça m'emmerde vraiment. Pour moi, il y a trop de joueurs auxquels Mourinho n'a pas laissé assez de chance. C'est Veretout, Carles Pérez et El Shaarawy, nous dit Patchy Lampre. Beaucoup d'euphorie des tifosi à cause des médias pour Dybala, mais l'important, c'est l'euphorie de la concentration sur les 2 derniers matchs. Merci Lolo. Qu'est-ce que tu as pensé, Elvin, de la gestion de la Juve sur l'adieu de Dybala? Ça m'a paru assez léger en termes d'hommage. C'est un peu comme Marquisio à l'époque. Je crois que j'ai vu passer un tweet en Ouais, plus. tout à fait, non, j'en ai parlé dans la vidéo hier. J'ai pas aimé la gestion sur les réseaux sociaux. Parce qu'évidemment qu'il y a une différence entre Chiellini qui passe 17 ans dans un club et Dybala qui en passe 7. Il y a une différence. Mais Dybala, c'est Dybala et Dybala, il a marqué l'histoire récente de la Juve. Donc tu dois faire quelque chose. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est extrêmement important, surtout quand vous êtes dans un club comme la Juve. Et sur les réseaux sociaux, ils n'ont absolument rien fait. Mais quand je te dis rien fait, Rabal, c'est rien fait. Il n'y a pas eu de teasing, etc. Pour Chiellini, il y a eu un teasing. Hein. Donc j'ai été très surpris, déçu, parce que malgré tout, je répète, Dybala, c'est pas Chiellini, mais Dybala, c'est Dybala. Il s'étend à la Juve, 115 buts à la Juve, soit le même nombre de buts que Roberto Baggio, c'est pas rien. Donc il fallait faire quelque chose et la Juve l'a pas fait. J'ai trouvé ça très irrespectueux. D'accord. J'en profite pour lire un truc, parce que j'étais en train de lire un truc, cher Elvin, par rapport aux médias, tout ça. Et il y a Mourinho, justement, ce matin, parce qu'il y a eu la journée des médias à Trigoria. Ce matin, au centre sportif de la Roma a été ouvert aux médias italiens et internationaux, avec des entraînements visibles par la presse. Et t'auras, tu veux que je t'en donne une petite info, t'auras une interview exclusive de Abraham pour DAZN. Ah, quand ça? C'est pour l'Europa Conference League, Ah, donc très d'accord. certainement la semaine prochaine pour
d'ici la finale. D'accord, bon, ben ça, on regardera, de toute façon, tous les interviews, tout ça, on le verra, les amis. Donc, du coup, en déclaration de journée, c'est eu Mourinho qui a pris la parole, Spinazzola, Mancini, Abraham et Smalling, l'entraîneur a alerté sur tout l'environnement, sur l'importance des prochaines rencontres. Et il a dit, ici, il y a une euphorie générale qui se fait sentir et qui n'aide pas à se concentrer sur une course importante. Et je vais mourir avec cette idée. Pour moi, le prochain match est le plus important. Les joueurs ont à cœur de jouer aussi la finale du 25 mai. Et voilà, Mourinho, il prend match après match et il le dit que voilà, c'est l'euphorie à Rome, ça te tue, hein, ça te tue. Une finale européenne, que ce soit C1, C2, C3, tout ce que tu veux, ça reste une finale européenne. Et puis la Roma, c'est pas une équipe qui a l'habitude de jouer Ouais. finale européenne, donc elle est bien. Hein. L'AS Roma, les Friedkin achètent 1 810 000 d'actions supplémentaires, communiqué de presse. L'AS Roma, début des abonnements. Ah oui, il y a les abonnements qui ont ouvert aussi, les amis. Est-ce que dans le chat, il y en a qui vont s'abonner? L'abonnement 2022-2023 ont ouvert. Les prix sont assez raisonnables. Hein. J'ai même regardé les prix pour les Gold Club, vous savez, quand vous allez à Rome, vous mangez, après vous êtes bien placé en premium, tout ça. Bon, c'est 3 400 euros. Hein, mais je veux dire, si vraiment tu habites à Rome et que tu divises tout, ça te fait 180 euros la place de billet, tu manges, et c'est pas si excessif que ça. Hein, mais bon, après, il faut l'amortir, il faut y aller, il hein, faut aller à tous les matchs. Mais s'il y en a qui peuvent se permettre de le Il faire, faut que tu ailles faut que j'aille habiter à Rome. ailles habiter à Rome. Faut que j'aille habiter à Rome. Eh oui. Faut que je fasse un contrat avec Ryanair pour avoir des tarifs très très réduits, encore plus réduits que ce qu'ils sont réduits. Heureusement qu'à Marseille, on a Ryanair. Parce que sinon, je pourrais carrément pas partir. Et à 200 euros l'aller-retour. Combien c'est bien les retours pour aller à Rome de Marseille? Rome-Marseille? Bah, je pense. Moi, à chaque fois, je m'en tire à. Allez, 60 euros. Aller-retour, 60 euros. Oh. Ça va. C'est pour ça que je te dis heureusement qu'on a Ryanair. Parce qu'il y en a, j'ai les collègues de Oui. Paris, et ils me disent aller-retour 200 euros, quoi. Ouf. Ah ouais, 200 euros. Ah ouais. Ouais, non, c'est vraiment, c'est en fait le ce qui est, le, en fait ce qui est rigolo, c'est j'avais vu ça pour l'anecdote, c'est pas Marseille-Rome qui est le plus cher, c'est Rome-Marseille. C'est-à-dire qu'en fait Marseille-Rome, tu l'as, allez, admettons à 15-20 euros. Mais Marseille-Rome, Rome-Marseille, pardon, là par contre ça grimpe vite, tu l'as à 40 euros, tu vois. L'équivalence de truc, c'est. Voilà. Mais bon, ouais, voilà, 60 euros, tu peux partir. Etc., évidemment. Comment? Plus Ah ouais, l'hôtel, après le il y a stade à payer. l'hôtel, voilà, donc après l'hôtel, il faut trouver un petit hôtel pas trop cher. Enfin, après, c'est en fonction des bourses, hein, les amis. Voilà. Bon, moi, j'aime bien loger autour de Termini parce qu'il y a le métro. Après, tout est accessible. Donc, voilà. Mais s'il faut habiter avec les moines, j'irai avec les moines. Moi, il n'y a pas de problème. Je veux te dire. Ou chez les girlfriends. Yeah, sexy lady. Ne peut-être pas oublier Tottenham pour Dybala qui va peut-être aller à la Champions League et il y a Paratici à Tottenham. Ne pas oublier, Elvin. Tottenham, c'est Dybala dans le passé, elle a été très proche de Tottenham. Non, c'est une piste à pas fermer et dont il y a Paratici. Et donc ça aussi, ouais, non, Tottenham, s'il joue la Ligue des Champions, je serais pas Tu ne sais surpris. pas. Mais Dybala, il n'a pas pris sa décision. Ok, Dybala n'a pas pris sa décision. Nketiah de Arsenal en plein contrat, nous dira Amiba. Si tu devais prendre un seul joueur de la Roma à la Juve, Elvin, tu prendrais qui? Un joueur de la Roma à la Juve. Bon, tu vas me dire Zaniolo. Alors, on va éviter, on met hors course Zaniolo, parce Ah, je qu'évidemment, sais, je sais, je sais. voilà. Je sais qui tu veux. On est un, je suis fan absolu, qui pour moi est vraiment sous-coté. Alors, peut-être parce que la Serie A, c'est pas forcément extrêmement médiatisé, et qu'en plus, il joue à la Roma, qui n'est pas à l'Inter ou la Juve, mais qui est vraiment très fort, trop, trop fort. C'est Monsieur Pellegrini, les amis. Pellegrini, c'est un joueur qui, depuis, allez, 3 saisons a passé un step, allez, depuis 2 ans a passé encore un step supérieur, alors il était déjà très bon. Là, cette année, ça a été vraiment un folie classe absolue. Il y a eu cette petite blessure à un moment qui m'a fait dire, ah, la Roma va aller moins bien parce que sans Pellegrini, c'est pas la même équipe. Et vraiment, non. La Roma sans Pellegrini, je me pose des questions. Il est très, très, très important. Dans le système de Mourinho,
Le mec, ce qu'il apporte sur le terrain, Gerard Pellegrini, c'est vraiment un sacré joueur. Ah, moi j'aurais dit, bon, moi j'aurais dit un autre joueur venant de ta part, qui malheureusement n'a pas joué pendant un an, mais qui est bon, quoi, c'est Spinazzola. Ah, Spinazzola, ben oui, Spinazzola, évidemment. Là. Ah, mais tu m'en as demandé qu'un. Ah oui, il veut prendre Spinazzola, il veut prendre Zaniolo, il veut prendre Pellegrini. Je vais te dire, en parlant de Spinazzola, j'ai été le premier à critiquer Karsdorp. Et cette saison, bah, il m'a fait fermer ma bouche parce que ça a été sa meilleure saison de toute sa carrière, je crois, depuis qu'il est à la Roma. Il a trouvé une continuité dingue, une continuité physique, parce que le plus gros défaut de Karsdorp, c'était d'un point de vue de la fiabilité physique. Là, cette saison, ça a été l'un des joueurs les plus utilisés sur C'est Mourinho. ça. Donc, si tu me demandes l'une des surprises en Serie A cette saison, je te mets dans l'équipe type, je te mets direct de Karsdorp. J'aurais pas misé un centime sur ce joueur. Voilà, les amis Carsdorp, oui. On a un expert qui Louis Carsdorp. Donc, Camillo, Spinazzola, vous avez eu votre chance trop tard, la Juve. Cédric, Tagla! Oh, Cédric, Spinazzola, il nous a trop manqué. Je ne sais pas que ça va nous faire du bien de revoir Spinazzola. RDC Investissement, Zaniolo doit partir pour le bien du club. Oula! Ah oui, c'est vrai que RDC Investissement, et à chaque fois, il tape dans le vif. À chaque fois, Ah, RDC Investissement, c'est non, l'inverse de ce que nous, on veut. Tu vois, on l'adore, attendez, RDC je Investissement. me place en tant que personne qui n'est pas supporter de la Roma. Zaniolo a 2,5 millions nets par saison, je crois que c'est à peu près son salaire. Tu l'augmentes. Je veux dire, Zaniolo, c'est un folie classe. Tu l'augmentes à 4-5 millions d'euros, c'est pas un problème. Au bout d'un moment, quand tu as des joueurs, des joyaux comme ça dans ton équipe, tu fais tout pour les prolonger. Point. Mec, il est en fin de contrat. Après, tu sais, 2024, c'est pas loin, mais c'est pas près non plus. Donc, plus tu tardes à prolonger le contrat, tu l'avais avec Dybala, Dybala c'est le parfait exemple, tu l'avais avec Donnarumma, tu l'avais avec Çalhanoğlu. Plus tu te rapproches de la fin de contrat, plus c'est dangereux. On a le même discours, mai 2024, peut-être que Zaniolo ne l'aura pas prolongé, peut-être qu'il part à zéro. Et là, ça sera la pire erreur de la direction de la Roma. Donc, plus tu entames des négociations rapidement et plus tu lui proposes une prolongation de contrat avec un salaire intéressant, bah, plus Zaniolo, bah, il doit se... Zaniolo doit... c'est un joueur à prolonger pour la Roma. Point. C'est un joueur que tu dois prolonger parce que c'est un leader technique. Leader technique, les amis. Moi, j'aime bien Zapata de Amirba. Mano Romano avec notre président, il y a toujours de belles surprises. Et oui, les Friedkin. Petite question, est-ce que la Juve veut absolument Zaniolo? Rapidement, Elvin, est-ce que la Juve veut Zaniolo? Oui. Intérêt concret au mois de janvier, il y avait des discussions. Après, pour le moment, elles semblent aller vers une autre direction, c'est-à-dire André Dybala, les amis. Donc, je ne sais pas, je te laisse ou pas, il n'y a pas, à l'heure actuelle, ce n'est pas une piste chaude. Zaniolo pour le prolonger, nous dit Cédric. Zapata comme attaquant, à voir, Amirba, je sais pas encore. Le Mercato, on verra, on fera des émissions Mercato, les amis. Chomorodov, une seconde chance, oui, pourquoi pas, Lucas. Là, on l'a payé 20 millions, Chomorodov, donc c'est soit on le prête. C'est un cas un peu compliqué, Chomorodov. Je sais pas ce qui va se passer la saison prochaine pour Chomorodov. Dessus. Je crois que j'ai un peu tout lu. Smalling serait blessé pour la finale. Il nous dit donc Camillo. Je ne sais pas où c'est que tu as vu ça. Paris va libérer Mbappé, le Real a libéré Ramos, Ronaldo et Varane. Pourquoi ne pas libérer Zaniolo? RDC Investissement. Ah ouais, RDC Investissement. Attends, laisse-le nous, on va le prolonger, Zaniolo, RDC Investissement. Il y a Spinazzola qui a dit ouais, le Torino est une finale. Et après, nous penserons à Tirana. Il y a eu des moments où je n'ai pas vu de progrès. Je pense qu'il parle de sa blessure. Il y a Calcio Mercato-Roma. Les contacts avec Sassuolo s'intensifient pour Maxime Lopez. Mancini, il n'y a pas de mot fatigue. Dirigez-vous vers Turin. On se dirige vers Turin. Nous penserons à Feyenoord après. Arbitre, nous avons besoin de plus de clarté. Conférence de presse de Mourinho. À Rome, il est plus difficile de se préparer pour une finale. Je suis sujet à Turin. Mkhitaryan Smalling à risque pour Tirana. Ouh, aïe, 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 aïe. En effet. Bon, mais je viens de comprendre pourquoi tu viens de dire ça, Don Camillo. Smalling prêt pour la finale dans le championnat perdu. Des points idiots. Voilà. Bon, ça, on en revient toujours au fameux Juventus. Les 20 minutes d'erreur professionnelle. Ce match, c'était incroyable quand même. Hein. Là, c'est pas la Juve qui l'a gagné, c'est la Roma qui l'a perdu. C'est là, ouais, c'est C'est ça. là la réalité. C'est ça. Ils avaient le match en main et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore en termes d'actualité, les amis? Donc, les abonnements hein, qui ont réouvert, ça c'est. En tant que les Friedkin, la chaîne. Alors voilà, ça peut-être que je vais essayer de l'avoir avec un peu plus de. Les Friedkin achètent 1 810 703 d'actions supplémentaires. D'accord, ok, voilà ça. Se référant à l'offre publique d'achat volontaire.
Je vous rappelle que les Friedkin ont mis en vente des actions qui ne leur appartiennent pas pour que les gens puissent les aider à obtenir au moins 95% d'actions majoritaires et après obtenir les 100%. Voilà, les Friedkin, ils veulent 100%, ils veulent le club à 100%. Il est à noter que les opérations d'achat visées par le précédent communiqué de presse ont été réalisées à un prix unitaire d'excédent 0,40, voilà, 0,43 centimes par action. Voilà. Donc Mancini, Spinazzola, Edouard Barré, la conférence de presse, Feyenoord. Ah oui, ça c'est important aussi, les amis. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le Stadio Olimpico est ouvert. Voilà, la Roma a mis à disposition le Stadio Olimpico pour la finale. Donc, je ne sais pas combien sont les billets, hein, je n'ai pas vu, puisque moi, je ne serai pas à Rome. Mais s'il y en a qui sont intéressés pour aller au Stadio Olimpico le jour de la finale, c'est ouvert, les amis. C'est incroyable, Elvin. Ils ont ouvert le Stadio Olimpico pour que les supporters viennent vivre cette finale. Et 23 000 places à Tirana, c'est compliqué, hein, déplacement. Donc. C'est toujours le problème en Ligue Europa. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas des stades plus grands. Moi, ça serait minimum en Ligue Europa. Je fixerais une filiale à au minimum 40 000 places, tu vois. Oui, non, mais sinon, non, non, c'est bien pour les tifosi. Et puis, imagine s'ils gagnent la fête que ça sera dans l'Olimpico, qui est le cœur du club de la Roma et à Rome en général. Ceux qui sont à Rome, je pense que pour la finale, c'est évidemment qui tout double, mais si la Roma gagne, ça va être une expérience fantastique à vivre dans la ville. In città. Felicità! Nanana, ça veut rien dire. Les amis, je rappelle aussi que le 25 mai, ceux qui sont dans le chat, ceux qui vont regarder le replay, je vous fais un petit rappel de mémoire. On fait une très très grosse émission le 25 mai. Il y aura Emric, il y aura Antoine Cauchemar, il y aura Lolo, il y aura Lucas l'Italien. Donc soyez présents. Je sais que vous allez regarder le match à la télévision. Il y en a qui seront à Paris, le Roma Club de Paris seront énormément entre eux. À Liège, voilà, ils vont faire un événement dans un bar. Il y a aussi ceux de Liège qui vont aller à Tirana. Bon, ceux qui sont à Tirana, bon, mais ça va être très compliqué là-bas de voilà, d'avoir une connexion directe avec eux. Je vais essayer, je suis en contact avec deux personnes pour essayer d'avoir carrément de la visio directement à Tirana, mais ça, c'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, toutes les personnes qui écoutent ce soir et passez le message à votre voisin, à ton père, ta mère, ta grand-mère, qu'elle nous regarde, bien évidemment. Le 25 mai, grosse émission à partir de 18h45, 19h, voilà. On va refaire une rétrospective de la Roma dans l'Europe. Hein. Pas toutes les saisons de la Roma quand elle était européenne. Hein. Mais entre guillemets, les plus grosses voilà, saisons de la Roma en termes d'Europe. Hein, par exemple, 91, hein, voilà, par exemple, ou alors la finale perdue contre Liverpool. On fera une rétrospective historique avec Lucas. Après, à partir de 20h, on parlera du match, les compositions, ce que vous en pensez, tout ça. Donc, vraiment, franchement, j'ai envie de. C'est une émission que je voulais faire l'année dernière pour l'Europa League. Manque de peau, on n'a pas pu le faire. Et puis, comme quoi, tu vois, Elvin, un an après mon émission, ma grosse truc, j'arrive à la faire. Donc, et il y aura Comment le. c'est rêve? Voilà, c'est. Mon rêve, c'est l'année dernière, je voulais vraiment faire une grosse émission. Je voulais faire un plateau, tu vois, avec deux personnes qui sont là avec moi, vraiment faire comme une émission de télé. Et là, j'ai cette possibilité de le faire un an après, tu vois, pour l'Europe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, de 19h, et puis après, si on gagne, voilà, si on gagne. Je regarde le match, ben, je regarde le match en studio, hein, voilà, je regarde le match en studio, cher ami Cédric. Cédric, en studio. Première fois que la Roma ne joue pas une finale européenne hors Olympico. Oui, ouais, la finale contre Liverpool, ouais, et la finale contre l'Inter, aller-retour, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tiens, une bonne analyse, Marty McFly. Merci à tes investissements. Bon, après, nous, on fera le live match, hein, mais voilà, le match sera en clair en France. Voilà, donc vous pourrez le regarder, bien évidemment. Vous coupez un peu le son, hein, évidemment. En plus, là, pour ceux qui ont des box et tout comme ça, vous serez en temps réel. Donc, je pense que si vous coupez le son et que vous nous écoutez, on sera aussi alors, pas en temps réel, on aura un léger décalage. Donc, c'est vrai, à cause de YouTube de quelques secondes, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, si vous avez envie de nous écouter, ça sera avec très grand plaisir. On fait une émission pour ça, les amis, pour vivre ça ensemble. Petit stade, honteux, une finale dans un petit stade.
Le studio Rabat est aussi ouvert. Le studio Rabat est aussi ouvert. Oui. Olympico ouvert au Tifosi. Oui, ah oui, Aymeric, ça j'ai compris la tournure de la phrase. Rabat, t'en penses quoi d'Allegri? Je ne le voulais pas à Rome. Hein, je le dis clairement. Il y a eu des rumeurs, Allegri à la Roma, quand il avait fait Danse avec les stars, là, à un moment donné, mais bon, il est parti à la Juve. Personnellement, ce n'est pas un entraîneur que j'aurais voulu à la Roma. Hein. Maintenant, vous ne le voulez plus à la Juve, donc tu vois. C'est un entraîneur qui gagne, mais qui est très, très spécial. Okay. Qui, en général, il a toujours gagné là où il est passé. Mais non, après, il a une vision du foot. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. C'est la réalité. Ouais. Et bon, ben, Elvin, t'en penses quoi de Allegri? Allegri? La saison, elle est catastrophique. Hein, je pense qu'elle parle d'elle-même. Saison blanche, c'était combien de Quand, temps que vous de n'avez toute pas façon, eu là, une saison blanche là comme ça? 11 ans, donc tu vois, depuis la saison 2010-2011. Ah ouais. Donc, je pense qu'il y a des faits qui parlent, évidemment. Donc, non, la saison est vraiment catastrophique. Il n'y a pas eu d'amélioration, il n'y a pas eu de base posée pour le futur. Il y a très peu de positif qui a été installé cette saison par Max Allegri. Je vais même te dire, moi, j'en ai pas vu de positif. Donc, saison catastrophique. Saison catastrophique. Ah. Alors, il y a Amen qui a appelé. Je vais alors, alors inviter, ajouter des contacts. Alors là, ils m'ont modifié le truc là. Alors, Amen. Amen, je t'invite, cher ami, mais on va pas tarder à couper. Donc voilà, si tu veux. Si tu veux rappeler, est-ce que ça marche là? Est-ce que Aymen. Ah voilà, il est là, Aymen. Ça va, Aymen? Salut. Tu vas bien? Cher ami. Très bien. Aymen qui nous appelle de la Tunisie. Ouais. Aymen. Alors, Aymen, franchement, je ne vais pas tarder à couper. Je pensais pas que tu allais appeler. Donc, je te laisse le mot de la fin, hein, cher ami. Oh. Je sais pas que tu fais un talk show. Par hasard, j'ai trouvé Il sur sait YouTube. pas. Eh ouais, on fait un talk show. Ouais, on a fait. J'ai décidé ce soir de faire un. Comment dire Bon, après, j'avais mis la programmation sur YouTube, en effet, mais ouais, je ne l'avais pas annoncé parce que du coup, en fait, je me suis rappelé très tard qu'on jouait vendredi, donc je n'allais pas faire un live jeudi pour le vendredi, en fait. C'est pour ça. Ah, vendredi, ça sera pas live. Oui, il y a le match. Mais non, mais je n'allais pas faire un live le jeudi et un live le vendredi. C'est pour ça. Du coup, j'ai décalé à mercredi le live, cher ami. Ok. Tu es arrivé tard. Bon, j'ai pas beaucoup entendu ce que vous parlez, mais depuis ce que j'ai lu à propos de l'entraîneur, à propos les rumeurs d'Ibala, surtout par rapport à Dybala, moi, bon, si ça sera l'arrivée de Dybala, il va causer le départ de Zaniolo, je ne suis pas d'accord. Si Zaniolo, il va rester, donc ok, pourquoi pas Dybala, il a de Je l'expérience suis et tout, il va nous aider. entièrement d'accord avec toi sur ça. Ouais. Et aussi, même, il y a beaucoup d'autres noms qui. Ce sort dans les rumeurs, et même c'est pas dans les rumeurs, mais il y a beaucoup de noms, des gros noms qui sont en fin de contrat, comme Luis Suarez, comme bon, des attaquants de haut calibre, mais quand même, ils sont en fin de contrat et fin de carrière. Donc, ils peuvent aider pendant une année, 2 ans, et aussi, ils peuvent baisser leur salaire. Si nous serons sérieux, par exemple Di Maria, il est en fin de contrat avec PSG. Il y a des noms qui peuvent aider, surtout que on a des jeunes dans notre effectif et on a besoin de quelques noms calibres pour construire le colon vertébral de l'équipe, surtout qu'il y en a Smalling dans la défense. Il y en a Mkhitaryan peut-être dans le milieu, mais il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas. On veut surtout un autre milieu de terrain un peu âgé. Bon, j'ai entendu aussi, bon, j'ai lu aussi les rumeurs du Sassuolo, Maxime Lopez, ouais, l'ancien Marseillais. Maxime Lopez. Intéressant. J'espère que.
qu'on peut l'apporter à Rome parce que c'est un joueur intéressant. Il connaît très bien le calcio. Et depuis un moment à Sassuolo, il passe des bons moments. Il fait des bons matchs. Bon, j'espère que. Parce que à chaque fois, nous, dans le mercato, on lance le nom et puis on entend que le nom est acheté parmi un autre club. Donc, à chaque fois, j'espère que ça sera en secret le mercato et ça sera comme surprise. Ça y est, j'ai acheté le nom, tel nom ou bien tel joueur. Parce que si on parle beaucoup des joueurs, on n'arrive pas à les apporter. Milan attend, l'Inter attend, la Juve aussi. Si c'est un joueur intéressant et on va parler beaucoup, ils vont lui acheter tout de suite. Donc j'espère que Pinto, il travaille dans la cachette. En sous-marin. Ouais. Il faut. Il faut, on espère. Ouais. D'accord. Amen. Ça, d'ailleurs, j'ai fait une aparté tout à l'heure à Elvin de ce qu'on avait dit là, au dernier podcast qu'on a fait ensemble, où j'avais dit oui avec Amen, Cavani par exemple, tu vois. Un Cavani, ça serait bien, tu vois. Oui, Cavani, Suarez, ces Suarez, noms-là sont voilà. importants, surtout même sur le banc. Un Ander Même Herrera, moi j'adore Ander Herrera, j'adore. de ce que j'ai Non, Hector, de ce pardon, que j'ai Hector compris. Herrera, le Mexicain, excusez-moi, Hector. Hector Herrera, il a Le Mexicain. encore un peu de temps pour jouer parce qu'il a 32 ou 33 ans. Hector Herrera, ça me plairait. Oui, pour venir en Italie, je pense qu'il va monter et pas baisser le salaire. Donc, c'est un peu Mais compliqué. Hector Herrera va aller aux États-Unis, c'est fait. États-Unis, si je me trompe pas, au Mexique, mais par là, c'est fait. Comment ça? Hector Herrera, c'est fait au Mexique ou aux États-Unis, je sais pas, mais Ah il va ouais? pas. Ah bon, ben c'est un joueur qui était annoncé depuis 3-4 ans, depuis l'après demi-finale de Ligue des Champions. Hein. Hector Herrera, c'était dans les papiers de la Roma, mais ça s'est jamais fait. Ah ouais, donc. Ah ben s'il a déjà signé, alors Hector Herrera, c'est dommage, j'aurais bien aimé le voir à la Roma, mais bon, malheureusement, ça ne se fera pas. Bon, dans ce mercato, on va entendre plusieurs noms, comme d'habitude. Comme d'hab. Et j'espère, enfin, on peut avoir trois, quatre noms pour enrichir notre effectif. Sinon, j'espère que ça ne sera pas comme l'autre mercato de l'été dernier, parce que c'est beaucoup de noms et enfin deux joueurs seulement. C'est ça. Donc, On verra bien à ce moment donné les mercato. Mais les amis, il reste deux matchs et deux matchs très très importants. C'est maintenant les deux matchs les plus importants de cette fin de saison et surtout le 25 mai. Amen. pour moi, Oui, mais vas-y, termine, termine. bah vas-y, ta question. Non, Amen, termine. Je... Pour moi, peut-être le match Torino, pour le côté moral, c'est plus important que la finale. Parce que si on joue contre Torino et on gagne, donc objectif atteint, nous allons à l'Europa League. Même les joueurs, ils vont jouer la finale plus Plus relâchés. relax, plus relax. Ouais. Il y a pas de poids sur les épaules. Voilà, tu as compris ce que Oui, je veux bien dire. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ouais. Sinon, ça sera la dernière carte à jouer, la finale. Et moi, d'habitude, on ne voit pas la Roma. Elle joue bien sous pression. À chaque fois, quand elle joue sous pression, peut-être la personnalité des joueurs, peut-être la qualité aussi des joueurs, parce que seulement les grands joueurs qui peuvent jouer sous pression. C'est ça. Donc, j'espère qu'on gagne Torino et Et on gagne peut-être une part Feyenoord. vers la finale. C'est très On important, ira le en finale, moral. voilà, pour le moral et moins le poids sur Pour l'épaule d'une qualification en Europa League. Voilà. et surtout pour couper cette chaîne des matchs, des résultats négatifs. Parce qu'il y a deux matchs, maintenant, Ah ça ne ouais. marche pas. Bon. Ouais. Bon, ben les amis. Il faut qu'on croise les doigts en tout cas. Amen. Je te remercie, Amen, d'être intervenu Merci. pour nous Merci. parler Un sur dernier Torino. mot. Je t'en prie, mon ami. Juste un dernier mot pour Mourinho. Je veux le dire sincèrement.
l'homme, il est devant une mission presque impossible parce que il doit jouer Torino et gagner et en même temps jouer la finale et gagner. Et le nombre des joueurs qui peuvent jouer, une 13 ou 14 joueurs qui sont capables de jouer ces matchs-là, tourner cet effectif, c'est difficile. J'espère qu'il réussit. D'accord. Eh bien, amen. Que Mourinho t'entende et on croise les doigts pour lui parce qu'on on a besoin qu'il gagne. Merci, amen. Merci, merci à vous. Et il y avait également Elvin ce soir, les amis. Elvin. Ciao, Elvin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Elvin? C'est quoi, si c'est pas trop indiscret, un peu le futur de ta carrière là? Il va y avoir d'évolution ou pas? Repasser chez Rabal, ça c'est un grand objectif. Premièrement. Repasser chez Rabal, ça en a un deuxième. Et repasser encore chez Rabal. Voilà, trois, merci. tu continues sur la mine. Voilà, Oui, bien sûr. S'il y a des Romains curieux, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Amine. Ben, c'est des passionnés, c'est un petit peu comme Romain, c'est des passionnés qui passent leur temps pour occuper d'autres fans et pour partager leur passion de fans. Je pense que c'est important. Et puis voilà, utiliser des moyens de communication au XXIe siècle comme ça, c'est des qualités que vous avez. Que nous avons. Bon, de toute façon, je dis Amine, les amis, mais Elvin, il a son propre réseau aussi. Attention, il n'y a pas que Amine dans la vie. Voilà, Elvin est une entité propre à lui. Il a ses réseaux sociaux. Je vous encourage vivement, même si vous ne supportez pas la Juve, mais il fait vraiment un travail, je le répète, de qualité sur Twitter et sur sa chaîne YouTube. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube, les amis. C'est très important pour lui parce que vraiment, il vit Juventus. Tous les jours, il y a une vidéo sur la Juventus. Que ce soit de 5 minutes ou de 1 heure, il fait des vidéos sur la Juventus. Donc vraiment, les amis, pour son travail, et si vous voulez vous informer de la Juventus, Elvin, allez vous abonner à ses réseaux. Comment ? Qui ? Sur 90 minutes, là où je travaille. Ah, voilà. Et aussi sur là où il travaille. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà. En tout cas, Elvin, les amis, voilà, sur Twitter. Et c'est quoi ton nom sur YouTube déjà ? Elvin DF, vous tapez Elvin DF. Voilà. Elvin DF, les amis, vous savez le trouver, c'est sûr. Elvin DF. Merci, Elvin. Merci beaucoup. Merci à toi, Rabal. Merci à tous les gens dans le chat. Et Dai, voilà. Bon courage pour la finale. Merci beaucoup, Elvin. Bonne soirée, Elvin. Bonne soirée, Rabal. Et surtout, bonne soirée à vous, les amis, dans le chat. Merci, Tenumuki. Merci pour ce live. Bonne soirée. Merci, Lolo. Ce sera deux matchs très, très gros matchs, très compliqués à gérer. Gonzalo Guedes est ciblé par José. Voilà. Merci à vous tous, ceux qui étaient présents ce soir dans le chat. Merci à ceux qui vont regarder le replay. Je rappelle à Espoir Francophone, Twitter, Facebook, Amoroma, le blog et Instagram. Et le lundi soir, 21h30, c'est Dario, la libre antenne sur Instagram. Donc, il faut vous abonner à tout ça, les amis. Mais bon, vous êtes déjà abonnés, je le sais. Et les amis, c'est exceptionnel. 20h45, c'est vendredi soir, Torino à Roma. Le dernier match pour la Roma et le Torino, cette 38e journée de Serie A. Ça sera à 20h45 et je serai en live. Exceptionnellement, je vais faire un live match pour vivre avec ça parce que normalement, je croise les doigts, normalement, il y aura Lucas qui sera avec moi. Enfin, Lucas prendra du temps pour venir avec moi. Donc, on va se faire un petit live réel, côte à côte avec Lucas. Voilà, je sais que vous adorez tous Lucas l'italien. Donc, il va parler de carbonara, de tiramisu, de tutti frutti et tout ce que vous voulez. Non, voilà, mais ça me fait plaisir parce que Lucas, à chaque fois, il habite pas loin, hein, mais il habite très, très loin à Marseille. On n'est vraiment pas à côté. Le soir, c'est tard. Il rentre tard et tout. C'est très compliqué pour lui. Mais là, exceptionnellement, il m'a dit « Je vais venir, mais je sors le tour du boulot, je serai là. » Donc, je croise les dents pour que tu sois là, mon ami. Hein. Lucas, t'as intérêt à être là. Pour la dernière, je te veux. Mes amis, je vous embrasse. Merci beaucoup. Oh. Et bon, ben, pas toi, Elvin, parce que mais Amen, les derniers mots magiques. Forza Roma per sempre. Allez, bonne soirée tout le monde.